Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la réalité à un tout autre niveau? Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous pourriez vivre dans la cinquième dimension sans même le savoir. Continuez à regarder et vous découvrirez les signes remarquables indiquant que vous vivez déjà dans la cinquième dimension. Avez-vous déjà été perdu dans un rêve si réel qu'il semble être un autre monde entièrement? Dans cette dimension, les rêves prennent une toute nouvelle intensité. Ils ne sont pas juste des images fugaces ou des scènes aléatoires, ce sont des expériences immersives qui nous invitent à explorer des royaumes au-delà de notre conscience éveillée. Ces rêves ne concernent pas seulement le traitement subconscient ou l'accomplissement de souhaits. Au lieu de cela, ils offrent des opportunités profondes pour la croissance spirituelle et l'exploration. Lorsque vous êtes dans la cinquième dimension, les rêves servent de portail vers des royaumes supérieurs d'existence. Ils fournissent des aperçus de l'immense étendue de la conscience, offrant des insights sur la nature de la réalité elle-même. Ces rêves sont vibrants, vivides et remplis de symbolisme qui parlent à nos vérités les plus profondes. En naviguant dans ces paysages oniriques, nous rencontrons des êtres de lumière, des symboles de sagesse ancienne et des leçons encodées dans le tissu de l'univers. En prêtant attention aux nuances subtiles de nos rêves, nous pouvons déchiffrer leurs messages et débloquer des vérités cachées sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Chaque rêve devient une toile sur laquelle nous peignons le paysage de notre âme, découvrant des couches de signification et de sagesse qui nous guident sur notre voyage de découverte de soi. Si vous avez l'impression que votre perception du temps a changé, cela pourrait être un excellent signe que vous êtes dans la cinquième dimension. Vous pouvez ressentir que le temps n'est pas une ligne rigide s'étendant du passé au futur. Ici, vous vivez le temps non pas comme une série de moments qui s'égrènent sur une horloge, mais comme une vaste toile interconnectée de possibilités. L'un des changements les plus profonds dans la cinquième dimension est la manière dont vous percevez le temps. Ne plus être lié par les contraintes du temps linéaire, vous vous trouvez à vivre le temps de manière non linéaire. Les moments s'étirent et se contractent, se pliant sur eux-mêmes comme de l'origami. Alors que vous vous déplacez sans effort entre le passé, le présent et le futur, dans ce royaume, le temps devient un outil pour l'exploration et la découverte plutôt qu'une limitation à surmonter. Vous pouvez vous retrouver à revisiter des souvenirs passés avec une clarté nouvelle ou à entrevoir des possibilités futures qui n'ont pas encore pris forme. Mais peut-être l'aspect le plus profond de la perception du temps est le sens de l'intemporalité qui imprègne tout. Ici, le temps cesse d'avoir un sens au sens traditionnel et vous vous trouvez existant dans un état de maintenant éternel. Passé, présent et futur se fondent en un seul moment de pure conscience. Imaginez une réalité où le temps n'est pas une ligne, mais un vaste océan sans fin, où chaque moment existe simultanément et chaque possibilité se déroule en parfaite harmonie. Ceci est l'essence de l'existence éternelle dans un royaume où le concept de temps tel que nous le connaissons cesse d'avoir de l'emprise. Dans ce royaume, vous n'êtes pas juste un moment fugace dans l'immense étendue de l'éternité. Vous êtes un être intemporel existant dans un état de grâce perpétuelle et de potentiel infini. Vous n'êtes pas lié par les contraintes du temps linéaire. Au contraire, vous êtes libre d'explorer la tapisserie infinie de l'existence, tissant vos propres fils dans le tissu de la réalité. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous pensez, résonne à travers le cosmos, façonnant le cours de votre voyage éternel. Vous n'êtes pas juste un observateur passif de la réalité. Vous êtes un participant actif au drame déployant de la création. Cette compréhension de l'existence éternelle défie les notions conventionnelles de la réalité et vous invite à embrasser un nouveau paradigme de conscience. C'est un voyage de découverte de soi et de réalisation de soi, où vous venez à reconnaître votre véritable nature en tant qu'être divin de lumière et d'amour.
Vous n'êtes pas juste une goutte dans l'océan de l'existence. Vous êtes l'océan lui-même, vaste et sans limite, avec le pouvoir de créer et de transformer la réalité à volonté. Dans la cinquième dimension, il y a un changement notable dans la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. C'est comme avoir un sixième sens qui nous permet de puiser dans une compréhension plus profonde de la réalité. Cette intuition accrue va au-delà d'un simple pressentiment. C'est un profond sentiment de savoir qui nous guide dans notre vie quotidienne. Dans cette dimension, nous devenons plus à l'écoute des énergies subtiles qui nous entourent, nous permettant de sentir des choses au-delà du royaume du physique. C'est comme si nous accordions une station de radio à haute fréquence, où les signaux sont plus clairs et plus distincts. Cette conscience élargie nous permet de naviguer dans la vie avec plus de clarté et de but, prenant des décisions alignées avec notre moi le plus vrai. C'est comme avoir une boussole qui nous pointe dans la direction de notre plus grand bien, nous guidant vers l'accomplissement et la paix intérieure. Transcender l'ego annonce un changement profond dans la conscience, favorisant un profond sentiment d'unité et d'interconnexion. C'est comme perdre les couches d'illusions qui nous séparent les uns des autres et reconnaître l'unicité inhérente de toute existence. Transcender l'ego ne consiste pas à l'annihiler ou à nier son existence, mais à reconnaître sa véritable nature et à l'intégrer dans le tissu de votre être. L'ego n'est plus motivé par la peur et l'intérêt personnel, mais par l'amour et la compassion pour tous les êtres. Alors que vous vous éveillez à la vérité de votre interconnexion avec toute chose, vous réalisez que les frontières entre soi et autrui sont illusoires. Vous vous voyez reflété dans les yeux de chaque être vivant et vous reconnaissez que leur joie et leur peine sont les vôtres. Cette réalisation conduit à un profond sentiment d'empathie et de compassion. Alors que vous vous efforcez d'alléger la souffrance des autres et de les élever sur leur chemin de découverte de soi, vous ne cherchez plus la validation ou l'approbation de sources extérieures, mais trouvez l'accomplissement dans la connaissance que vous êtes un co-créateur de la réalité, façonnant le monde avec chaque pensée et action. L'ego devient un vaisseau pour l'amour et la créativité plutôt qu'un obstacle à l'illumination. Vous embrassez votre unicité et votre individualité tout en reconnaissant l'unité inhérente qui lie tous les êtres ensemble. Le processus d'apprentissage subit une transformation radicale, transcendant les méthodes traditionnelles et embrassant un nouveau paradigme d'acquisition instantanée de connaissances et de compétences. Ici, les frontières entre l'étudiant et l'enseignant s'estompent alors que l'information coule librement et sans effort des royaumes supérieurs de la conscience dans l'esprit réceptif. L'apprentissage instantané ne concerne pas la mémorisation ou la répétition mécanique, mais le fait de puiser dans le puits infini de sagesse qui réside en chacun de nous. Dans ce royaume, le savoir n'est pas quelque chose à acquérir au fil des années d'études et de pratiques, mais un droit de naissance auquel nous pouvons accéder à tout moment, en cultivant une connexion avec des états vibratoires supérieurs tels que la méditation, la prière ou la pleine conscience, nous nous ouvrons au téléchargement direct d'informations dans notre conscience. Cette information vient non sous forme des mots ou des concepts, mais entente qu'énergie pure, résonante avec les vérités les plus profondes de notre être. Au fur et à mesure que nous nous accordons à cette fréquence supérieure, nous constatons que l'apprentissage devient sans effort et joyeux, car nous absorbons facilement des connaissances et des insights qui auraient autrefois pris des années à acquérir. Nous n'avons plus besoin de nous appuyer sur des sources extérieures pour obtenir des conseils ou une validation, mais faisons confiance à la sagesse de notre propre savoir intérieur. L'apprentissage instantané ne concerne pas seulement l'acquisition de connaissances intellectuelles, mais l'incarnation de la sagesse de l'univers dans tous les aspects de notre être. Dans cette dimension, les pensées détiennent un pouvoir immense, façonnant le tissu de la réalité elle-même.
c'est comme être l'architecte de notre propre vie, où nos pensées agissent comme des plans pour la manifestation. La manifestation dans la cinquième dimension se produit sans effort lorsque nos pensées sont alignées avec nos désirs. C'est comme planter des graines dans un sol fertile et les regarder grandir en belles manifestations sous nos yeux. La pensée consciente et focalisée est la clé pour débloquer ce pouvoir. C'est comme manier une baguette magique, où chaque pensée porte le potentiel de créer des changements profonds dans notre réalité extérieure. Mais avec ce pouvoir vient une grande responsabilité. La manifestation doit être abordée avec intégrité et pleine conscience, en se concentrant sur la positivité, l'amour et l'abondance. C'est comme s'occuper d'un jardin, en nourrissant nos pensées et intentions avec soin et attention. Cette conscience de l'interconnexion va au-delà d'une simple compréhension intellectuelle. C'est un savoir profond, viscéral. Nous le ressentons dans le battement de nos cœurs, le souffle dans nos poumons et le pouls de la vie qui coule à travers nous et nous relie à chaque être vivant sur cette planète et au-delà. Dans la cinquième dimension, nous nous voyons reflétés dans les yeux de chaque personne que nous rencontrons, reconnaissant que leurs joies et leurs peines sont les nôtres. Nous comprenons que chaque action que nous entreprenons, si petite soit-elle, envoie des ondulations dans l'univers, affectant la vie des autres de manière vue et invisible. Ce sens de l'unicité s'étend au-delà du royaume humain, englobant tous les êtres vivants et le monde naturel lui-même. Nous ressentons une profonde parenté avec les plantes, les animaux et les éléments, comprenant que nous faisons tous partie de la même danse cosmique de la création. Alors que nous embrassons notre interconnexion, nous réalisons que nous ne sommes pas juste des individus luttant pour survivre dans un monde hostile, mais des co-créateurs de la réalité, unis dans notre quête d'amour, d'harmonie et de compréhension. Nous reconnaissons que nos actions ont le pouvoir de façonner le monde pour le meilleur ou pour le pire, et nous efforçons de vivre en alignement avec les principes les plus élevés de vérité, de compassion et d'intégrité. Dans la cinquième dimension, la maîtrise des émotions est une capacité notable. Lorsqu'une personne possède cette capacité, c'est un signe de sa présence dans cet état de conscience élevé. Comprendre profondément les émotions, les naviguer efficacement et exploiter leur pouvoir pour la croissance personnelle et la connexion sont des aspects pivots de cette maîtrise. La maîtrise des émotions implique plus que simplement contrôler les sentiments. Elle implique une compréhension profonde d'eux. Il s'agit de reconnaître les émotions au fur et à mesure qu'elles se présentent, de comprendre leurs causes sous-jacentes et de répondre à elles de manière réfléchie plutôt que réactive. Cette conscience permet aux individus de maintenir une harmonie et un équilibre intérieur au milieu des hauts et des bas de la vie. Naviguer habilement dans les émotions signifie être capable de traverser différents états émotionnels avec grâce et résilience. Au lieu d'être submergé ou consommé par des sentiments intenses, les individus dans la cinquième dimension peuvent les observer sans jugement, permettant aux émotions de les traverser naturellement. Cette capacité favorise la résilience émotionnelle et empêche la suppression ou la répression des sentiments qui peuvent mener à des conflits intérieurs. Exploiter les émotions pour la croissance et la connexion est une autre caractéristique de la conscience de la cinquième dimension. Plutôt que d'être contrôlés par les émotions, les individus apprennent à les utiliser comme des outils pour l'évolution personnelle et des connexions plus profondes avec les autres. Les émotions deviennent des messagers, signalant des domaines pour la croissance, la guérison et la compréhension. À travers ce processus, les individus cultivent l'empathie, la compassion et des relations authentiques basées sur la compréhension et l'acceptation mutuelle. Si vous regardez encore, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, veuillez envisager de cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou pensées dans les commentaires ci-dessous.
Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez à l'écoute pour plus de contenu perspicace.